Après un gros restylage l'an passé qui l'a rendu visiblement plus dynamique, le Toyota Verso poursuit aujourd'hui sa mue. Esthétiquement, c'est très léger, avec des jantes au dessin inédit et de nouveaux choix de céleri. Mécaniquement, c'est beaucoup plus sérieux, puisque le monospace compact reçoit un nouveau bloc diesel milieu de gamme d'origine BMW. Il s'agit là du 1.6 qui équipe la 116D Efficient Dynamics Edition. Un moteur réputé pour sa sobriété qui remplace le 2 litres D4D de 124 chevaux sous le capot du Verso. À l'intérieur, peu d'esbrouf, la sobriété que certains appelleront austérité est de mise. Seule originalité, le combiné d'instruments orienté vers le conducteur se décale ici au-dessus de la console centrale. Côté vie pratique, le Verso pense aux familles avec une double boîte à gants, des trappes de rangement et des tablettes aviation. Mais le Nippon se distingue surtout par sa modularité, avec sa banquette arrière constituée de 3 sièges individuels inclinables, coulissants et surtout rabattables à plat en un clin d'œil. Le volume de coffre est lui généreux sans être exceptionnel. Au volant, le monospace surprend par sa douceur à défaut d'offrir de grandes sensations. Particulièrement discret, le bloc BMW, associé à un agréable système stop and start maison, se révèle d'une grande souplesse, à l'instar de la boîte manuelle à 6 vitesses. Le levier, idéalement placé à mi-hauteur, se prend parfaitement en main. On regrettera seulement lors des relances les derniers rapports trop longs. Ces derniers favorisent la sobriété, comme en atteste la consommation annoncée par le constructeur, avec 4,5 litres au 100 km en cycle mixte, ce Verso fait partie des moins gourmands du segment. Plus dynamique dans ses courbes et toujours aussi modulable, le Toyota Verso profite du confort de conduite qu'offre sa nouvelle motorisation 1.6 D4D pour se replacer dans le concert des monospaces compacts. D'autant qu'à tarif équivalent, il profite d'un niveau d'équipement supérieur à celui de la concurrence. Notre version d'essai en finition Skyview, le troisième niveau sur 4, s'affiche à 27 300 € avec caméra de recul, climatisation automatique bizone et toit panoramique de série. Un monospace sérieux, trop, diront certains.